Très bien, merci beaucoup, hein, Merci. pour ces compléments. Alors, ce qui est intéressant dans... Bon, merci d'avoir fait l'effort parce que c'est pas très facile d'expliquer tout cela et bon, on finit par comprendre tout de même l'essentiel. Ce qui est intéressant, ce que je souligne pour aussi pour les autres participants du séminaire, c'est ce que vous avez essayé de faire en termes d'esprit critique Oui. sur cet article, hein, de voir, et ça c'est un petit peu dans la mesure du possible, ce que je vous demande de faire, c'est-à-dire pas seulement de reproduire, mais ça c'est déjà utile, hein, de reproduire le sens de l'article que vous présentez ou du texte que vous présentez, mais ce qui, disons, la difficulté supplémentaire et le travail supplémentaire, c'est d'essayer de prendre vraiment l'auteur au sérieux et de voir si ce qu'il dit tient la route, hein, est-ce qu'il n'y a pas des contre-exemples, est-ce qu'il n'y a pas... Alors évidemment, pour nous, avec le coréen, c'est extrêmement difficile à comprendre. Vous avez bien vu qu'il traite qu'une toute petite partie des voyelles, et ça, c'est effectivement un problème méthodologique. Et puis, on a pu remarquer qu'en effet, avec la question du symbolisme phonétique, on est obligé, sauf à faire des choses informatiques qu'on ne maîtrise pas vraiment, enfin, c'est-à-dire étudier des corrélations automatiquement, etc., on est obligé de partir d'un côté. C'est-à-dire, soit on va dire, je vais étudier si il y a une iconicité au sens du symbolisme phonétique des diminutifs dans une langue. Donc, je prends toutes les façons de construire des diminutifs, je regarde les alternances de phonèmes, et j'essaie de voir s'il y a une régularité. Je regarde les exceptions, mais il faut les prendre tous et pouvoir dire, bon, ben, ça marche dans 80% des cas, il y a 20% d'exceptions, donc c'est plutôt iconique, hein, donc il y a plutôt du symbolisme phonétique. Donc ça consiste à partir plutôt du côté du sens, hein, du diminutif, et puis ensuite on va aller voir s'il y a quelque chose qu'on peut dire diminutif au niveau des sons. Ça va vouloir dire quoi, diminutif? Et c'est là où il y a une part d'interprétation qui va. Diminutif, est-ce que ça veut dire alors plus petit, plus fermé hein? Donc à ce moment-là, les A vont être du côté du grand, les I du côté du petit, ça c'est plutôt classique. Est-ce qu'on peut, avant, arrière pour les voyelles, est-ce qu'on peut comparer en termes de diminutif une occlusive à une non-occlusive? Bon. Donc, ça pose toutes sortes de problèmes pour analyser en quoi un son peut être vu dans une sorte de corrélation avec l'idée de diminutif. Hein. Et puis, on peut évidemment avoir la méthodologie inverse, c'est-à-dire par exemple partir des voyelles claires et sombres et analyser bah, tous les mots qui contiennent des oppositions ou essayer de voir si on a des couples de mots qui ne diffèrent que par une voyelle et qui diffèrent par une opposition voyelle claire, voyelle sombre. Et puis à ce moment-là, donc là, c'est l'autre méthodologie, on part de la sonorité, enfin des phonèmes, et on essaie de voir dans la signification si on a effectivement une opposition claire-sombre. Hein. Ce sont deux méthodes, bon voilà, les deux méthodes principales qu'on peut utiliser. Sinon, effectivement, informatiquement, on peut essayer de voir s'il y a des corrélations, mais c'est une toute autre technique et de toute façon qui ne permet pas de savoir exactement ce qui se passe. Hein, de faire remonter, un peu comme dans le deep learning, des choses comme ça, quand on fait remonter des corrélations informatiquement, on trouve des choses, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc, ça pose un peu des problèmes. Je pense que ça prend beaucoup de temps pour avoir une généralisation. Eh oui, eh oui. Et le problème avec cette question du symbolisme phonétique, c'est qu'en général, on se contente de démontrer le principe avec quelques exemples qui marchent bien. Bon, tant mieux, c'est bien, ça marche. Mais ça ne prouve rien en réalité. C'est là où il faut essayer, si on veut aborder cette question d'une manière un peu sérieuse, eh bien, il faut vraiment la prendre comme une question scientifique et voir les exceptions, faire des espèces des vraies généralisations, quoi. Voilà, merci beaucoup. Oui? Oui, c'était un article. Écrit en anglais, je crois. Hein. Oui, c'est ça. C'était un article en anglais. Ah bah oui, on a la référence ici. Sound Symbolism in Korean. Un article de 76, déjà un petit peu ancien. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des travaux plus récents. Il faudrait vérifier, c'est possible. Hein. Très bien. Merci. Est-ce que vous n'avez pas
d'autres questions pour l'instant sur cela. Merci, hein, de m'avoir signalé que je me suis trompé de fichier. Là, c'était le cours Introduction aux linguistiques cognitives. Donc l'autre, il y a les 2 années de master dans celui-là ou une Non, seule? c'est pas beaucoup de cours non plus. Qu'est-ce que j'ai Passer en fait? français. Linguistique française, M3. Ah oui. Bon, bah écoutez, je referai une tentative la semaine prochaine en vérifiant mieux les fichiers. Bien, alors, je vais donc reprendre là où je m'étais arrêté lors d'un cours précédent, d'une séance précédente, sur donc la question du concept d'iconicité. Je vous rappelle que j'avais simplement signalé le fait que on présente souvent la recherche sur l'iconicité, donc sur le symbolisme phonétique, comme une recherche en quelque sorte anti-arbitriste, anti-saussurienne, hein, puisque on travaille sur le lien entre son et signification, on serait anti-saussurien. Ce qui, en réalité, n'est pas du tout le cas. Cette idée que les chercheurs sur l'iconicité vont explorer un domaine qui était en quelque sorte interdit par le principe de l'arbitraire, c'est une idée qui est courante. J'en donne 2 exemples ici chez Heymann et Traban, qui sont par ailleurs des auteurs de très très grande qualité qui ont beaucoup apporté à ces questions. Mais sur ce point précis, il y a là un éclaircissement à donner parce que on peut, à mon avis, parfaitement considérer que le travail sur l'iconicité ou sur le symbolisme phonétique n'a rien d'anti-saussurien. Alors, l'argumentation qui permet de montrer cela repose sur la distinction, je ne vais pas y revenir, je l'ai déjà exposé, entre 2 conceptions du système chez Saussure. Donc une conception du système au sens d'une systématicité interne, hein, et puis une conception du système comme système de valeur pure, le système de la langue comme système purement différentiel. Et c'est uniquement, si vous voulez, dans cette conception-là du système, quand on perçoit le système pour telle ou telle perspective, disons plutôt épistémologique, comme quand on perçoit donc le système de la langue comme un système de pure valeur, que l'arbitraire devient un principe fondamental. Mais Saussure, évidemment, a développé ce principe, mais ce principe ne permet pas, au fond, de faire de la linguistique concrète. Faire de la linguistique, analyser les langues, c'est analyser la systématicité des langues. Donc, s'intéresser plutôt à ce qui n'est pas arbitraire, ou tout au moins à ce qui est moins arbitraire que l'arbitraire absolu. Et c'est là où il faut préciser la notion d'arbitraire chez Saussure, ou dans le cours de linguistique générale. Donc je vais prendre un petit peu de temps pour vous exposer cela. L'idée ici étant, autour de la question de l'iconicité, de montrer disons de montrer pourquoi je parle de l'iconicité ici dans un séminaire consacré à l'analogie. Parce que je présente l'iconicité comme une des fonctions de l'analogie, hein, la fonction iconique de l'analogie. Or, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette présentation? Pourquoi il y a un déplacement? Pourquoi il y a une idée un peu différente de ce qu'on lit habituellement
dans cette façon de concevoir l'iconicité? Eh bien, parce que d'habitude, l'iconicité est vue comme un principe fonctionnel, hein, comme un principe dans le cadre d'une linguistique fonctionnelle, c'est-à-dire qui voit les langues comme des systèmes de communication. Donc, à ce moment-là, l'iconicité est un principe important, enfin, je veux dire, pas un principe, mais un paramètre important parmi d'autres. Parmi le principe d'économie, ou le paramètre de l'économie, ou le paramètre de naturalité, etc., qui sont des paramètres du fonctionnalisme, ou des principes, si vous voulez, peu importe. Bon, je pourrais entrer dans le détail de savoir. Mais, bon. Donc, voyez qu'il y a une certaine façon de concevoir l'iconicité qui est, dans un cadre fonctionnaliste, comme un principe de communication, et puis le considérer dans un cadre plutôt cognitif comme une des fonctions de l'analogie. Alors, il faudra à un moment donné qu'on voit, qu'on puisse mesurer quel est l'avantage ou l'intérêt de chacune de ces positions. Voilà. Pour l'instant, donc, simplement, je vais essayer d'éclairer la notion d'iconicité. Alors, revenons donc aux bases, hein, et à la façon dont Saussure expose le principe de l'arbitraire du signe. Alors, on va commencer par quelques extraits du cours de linguistique générale. Je vous rappelle, mais vous le savez sans doute, que le cours de linguistique générale n'est pas un texte écrit par Saussure, hein, que c'est un texte rédigé par des élèves de Saussure, donc que il y a certaines formulations, hein, certaines formulations sont un peu éloignées en réalité de ce que pensait réellement Saussure. Bon, mais ça n'est pas radicalement différent, mais il faut quand même se méfier. Cela dit, il reste que l'intérêt de réfléchir un tout petit peu sur la formulation du cours de linguistique générale, c'est que c'est le texte qui a circulé dans les milieux linguistiques. Hein. C'est à partir de ce qui a été publié dans le cours de linguistique générale que beaucoup d'auteurs ont fait des commentaires, ont analysé. Alors voilà le principe de l'arbitraire du signe tel qu'il est exposé dans le cours de linguistique générale. Premier principe, l'arbitraire du signe. Le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire. Ou encore, puisque nous entendons par signe le total résultant de l'association d'un signifiant à un signifié, nous pouvons dire plus simplement, le signe linguistique est arbitraire. Bon, donc quand on parle de l'arbitraire du signe, hein, on parle de l'arbitraire de la relation entre signifiant et signifié. Donc, d'accord, là, oui, si je considère par principe qu'il y a un arbitraire entre signifiant et signifié, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de relation, pas de propriété commune, en quelque sorte. Hein, parce qu'il y a une relation au sens où ils sont, comme dit Saussure à d'autres endroits, le recto et le verso d'une même feuille de papier. Hein. Il y a une dualité. Bon. Mais, en tout cas, on comprend bien pourquoi, apparemment, comme ça, il y a cette formulation qui est l'opposé du principe de l'iconicité. Bien. Alors, exemple, l'idée de sœur, donc le signifié sœur, n'est liée par aucun rapport intérieur avec la suite de son sœur, qui lui sert de signifiant. Il pourrait aussi bien être représenté par n'importe quel autre. Hein. Donc, exemple, voilà, sister en anglais. Voilà. Quand on change de langue, on change le signifiant, mais on ne change pas le signifié. C'est un peu l'argument qui va apparaître à un moment donné, bah, d'ailleurs qui apparaît juste après. Hein. Les différences entre les langues et l'existence même de langues différentes en est la preuve. Le signifié bœuf a pour signifiant bœuf d'un côté de la frontière et ox de l'autre. Bon. Alors on verra tout à l'heure qu'il y a une petite erreur de raisonnement là dans la formulation, hein, mais qui encore une fois n'est pas due à Saussure. Mais il y a quand même un problème parce que on va voir qu'en réalité rien ne nous prouve que les signifiés soient les mêmes. Hein. Les signifiants sont différents, mais peut-être que les signifiés aussi. Alors, deuxième extrait qui est une remarque, mais une remarque importante. Que nous dit ici le cours de la linguistique générale, quand la sémiologie sera organisée. Donc, rappelez-vous, hein, Saussure pose là l'idée que l'étude du langage, c'est l'étude d'un certain système de signes, mais qu'au fond, la linguistique, en tant qu'étude des systèmes de signes, est une partie
d'une science plus générale, qui est la science générale des signes, qu'il appelle la sémiologie. Quand la sémiologie sera organisée, elle devra se demander si les modes d'expression qui reposent sur des signes entièrement naturels, vous voyez là l'opposition entre naturel et arbitraire. Mais pourtant, on aurait envie de dire que l'opposition, ce n'est pas naturel et arbitraire. C'est plutôt, ce serait quoi ? Ce serait naturel et conventionnel. Donc là, il y a un flou entre arbitraire et conventionnel. Ça ne veut pas dire la même chose. Comme la pantomime, lui reviennent de droit. Est-ce que donc la sémiologie intègre ou non des signes entièrement naturels ? En supposant qu'elle les accueille, son principal objet n'en sera pas moins l'ensemble des systèmes fondés sur l'arbitraire du signe. Ah, c'est curieux comme postulation, hein ? Dire, oui, d'accord, il y a des systèmes de signes naturels, ils font partie de la sémiologie, mais le cœur de la sémiologie, ce sont les signes arbitraires. Pourquoi ? En effet, tout moyen d'expression reçu dans une société repose en principe sur une habitude collective. Donc là, on retrouve cette dimension sociale de la langue, cette idée qu'il y a un chaos, au fond, qui est fondamental dans la définition de la langue. Donc une habitude collective, ou ce qui revient au même, sur la convention. Donc, à partir du moment où l'être humain, l'être parlant, est un être social, ce qui caractérise ces moyens de communication doit reposer sur le lien social qui est celui de la tradition et de l'héritage des conventions. Les signes de politesse. Donc là, on sort du signe linguistique, on prend un exemple de signe qui pourrait paraître naturel. Les signes de politesse, par exemple, doués souvent d'une expressivité naturelle. Alors là, il y a un exemple, je ne sais pas si les étudiants et étudiantes chinois seront d'accord avec cet exemple, qu'on pense au chinois qui salue son empereur en se prosternant 9 fois jusqu'à terre. Je ne sais pas si c'est une fiction ou quelque chose que vous avez appris, vous, lorsque vous avez étudié l'histoire de la Chine. Alors pourquoi il y a une certaine expressivité là ? Parce que effectivement, en se prosternant à terre, on montre son infériorité par rapport à l'empereur. N'en sont pas moins fixés par une règle. C'est cette règle qui oblige à les employer, non leur valeur intrinsèque. Donc, en effet, même un signe naturel qui a une certaine raison d'être, je fais un geste où je me baisse, quel que soit le geste. Ça pourrait être, je sais pas, de marcher à 4 pattes autour de la personne. Ça pourrait être n'importe quoi, mais une marque physique d'infériorisation qui pourrait donc naturellement exprimer quelque chose comme un respect à l'égard, enfin, on signale qu'on est inférieur par rapport à quelqu'un qu'on juge supérieur. Mais il faut malgré tout que ce geste, enfin ce signe, soit accepté comme signifiant cela. Donc, ce qui est remarqué ici, c'est que la naturalité d'un signe ne suffit pas à en faire un signe, d'une certaine façon. Il faut, en effet, pour qu'il y ait signe dans une société, une convention. Je veux dire, si un jour vous décidez par un geste quelconque que c'est comme ça que vous allez dire bonjour aux gens, au lieu de, je sais pas, au lieu de, je veux dire, on serre la main à quelqu'un. Bon, alors on peut trouver toutes sortes d'explications pour dire le geste naturel, saluer en prenant la main de quelqu'un, c'est, être dans un contact physique, c'est une marque peut-être de confiance ou je ne sais quoi. Bon. Imaginez que vous décidiez un jour de saluer quelqu'un en faisant un autre geste, je ne sais pas, n'importe quoi, en faisant des oreilles de lapin. C'est comme ça que vous dites bonjour. Bon, alors, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait une convention sociale partagée pour que le geste puisse avoir sa signification. Donc, ça veut dire que fondamentalement, ce qui va caractériser un signe, c'est cette règle, cette convention.
elle est une condition nécessaire et suffisante, au fond. Parce que même un signe absolument démotivé, qui est purement conventionnel et qui n'a aucun rapport avec ce que l'on signifie, si une convention décide que c'est, ça signifie telle chose, c'est accepté. Donc il est vrai que la convention est la condition sine qua non de l'existence d'un signe dans une société. Mais est-ce que pour autant, cela implique que sa naturalité au signe n'a pas à être étudiée? L'argument ici, c'est de dire que la convention est primordiale, donc on se fiche complètement de la naturalité. C'est vrai qu'elle l'emporte, mais il n'empêche que il y a parmi les signes certains qui sont moins conventionnels que d'autres, etc. Alors, la conclusion ici, c'est on peut donc dire que les signes entièrement arbitraires réalisent mieux que les autres l'idéal du procédé sémiologique. Mais ça, c'est lorsque on se préoccupe de la communication collective dans une société où il faut des conventions. Dès que vous êtes dans la communication individuelle, la chose est complètement différente. Vous pouvez faire comprendre à quelqu'un individuellement, je ne sais pas moi, vous voulez communiquer avec quelqu'un dont vous ne parlez pas la langue. Vous allez faire des gestes naturels, enfin je sais pas, vous voulez dire j'ai faim, je veux manger, vous allez faire un geste comme ça et la personne va comprendre. Comment se fait-il qu'elle comprenne? Elle n'a pas forcément la même convention, mais c'est parce que grâce à la naturalité du signe, dans un lien interindividuel, il va y avoir compréhension. Donc vous voyez que cet aspect, cette idée que les signes entièrement arbitraires réalisent mieux que les autres l'idéal du procédé sémiologique, elle est parfaitement pertinente lorsqu'on envisage la dimension sociale de la langue, culturelle, sociale. Alors que lorsqu'on envisage la dimension individuelle, c'est là que la dimension de naturalité va être beaucoup plus importante. Alors, la suite de la citation, c'est pourquoi la langue le plus complexe et le plus répandu des systèmes d'expression est aussi le plus caractéristique de tous. En ce sens, la linguistique peut devenir le patron général de toute sémiologie, bien que la langue ne soit qu'un système particulier. Donc ça, c'est une idée assez intéressante qui a été développée, mais sans grand succès, finalement. Rétrospectivement, je crois qu'on peut dire que c'était... Dire que, au fond, la langue... Les langues étant les systèmes sémiologiques les plus développés dans les sociétés humaines, eh bien, ce qu'on va découvrir dans les langues va servir à n'importe quel autre système de signes. Bon, ça ne marche pas tellement, finalement. Intrinsèquement, les systèmes de signes ont leur régularité. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, on a beaucoup parlé, par exemple, de la grammaire du cinéma ou de choses comme ça. Les résultats n'ont pas été... à la hauteur de ce que pouvait suggérer cette prise de position théorique. Donc, au fond, oui, il y a bien quelques... Les langues sont bien des systèmes de signes un peu particuliers parmi d'autres, mais ça n'est pas pour autant que les mécanismes qui les régissent peuvent être généralisés au système non linguistique, au système sémiologique non linguistique. Alors, maintenant, il faut distinguer l'arbitraire absolu de l'arbitraire relatif. Bon, l'arbitraire absolu, c'est clair, il n'y a pas de relation entre le signifiant et le signifié. Donc, le son sœur et la notion de sœur, aucune relation. Quand je dis aucune relation, pour être plus précis, ça veut dire que le lien est complètement aléatoire, ça peut être n'importe quoi, c'est de l'irrationnel. Il n'y a pas de rationalité, il n'y a pas d'explication. On ne peut pas dire pourquoi tel son est associé à telle signification. Exemple de bœuf et ox, je l'ai déjà commenté. L'idée que l'arbitraire est caractéristique de l'ensemble des systèmes sémiologiques, qu'il est lié à des conventions. Et puis, il y a tout de même deux objections, celle des onomatopées et des exclamations. Les onomatopées et les exclamations qui vont donc être présentées comme des objections au principe ou des exceptions au principe de l'arbitraire, mais ces exceptions vont être présentées pour être aussitôt éliminées. Alors, je cite ce passage. Signalons en terminant deux objections qui pourraient être faites à l'établissement de ce premier principe.
Premièrement, on pourrait s'appuyer sur les onomatopées pour dire que le choix du signifiant n'est pas toujours arbitraire. D'accord. Mais, c'est là, il y a un mais. Hein. Mais, elles ne sont jamais des éléments organiques d'un système linguistique. Bon, effectivement, les onomatopées ne sont pas des éléments centraux d'un système linguistique, au moins. Leur nombre est d'ailleurs bien moins grand qu'on ne le croit. Des mots comme fouet ou glas peuvent frapper certaines oreilles par une sonorité suggestive, mais pour voir qu'ils n'ont pas ce caractère dès l'origine, il suffit de remonter à leur forme latine. Fouet dérivé de fagus, être, glas dérivé de classicum. Alors, bon, je termine. La qualité de leur son actuel, ou plutôt de celle qu'on leur attribue, est un résultat fortuit de l'évolution phonétique. Parce qu'effectivement, on pourrait glas, le son un peu sombre d'une cloche, etc. Le son glas peut évoquer ce caractère un peu sinistre de la cloche. Et fouet, qui fouette, est dérivé de fagus, qui fouette beaucoup moins. Hein. Bon. Donc là, Saussure considère que ce résultat est un résultat obtenu par hasard. Oui. Il y a quand même une objection à ça, c'est-à-dire qu'en fait, on reporte la motivation sur le latin. Pourquoi fagus, pourquoi le être s'appelle fagus? Donc en fait, on ne règle rien avec ça. Non, on ne règle rien. Et surtout, même, on pourrait même dire que c'est un exemple où on pourrait dire que le fagus qui était. Oui, alors pourquoi hêtre? Parce que je suppose que les fouets étaient faits au début avec des morceaux de bois de hêtre, je ne sais pas. Il faudrait vérifier, hein, je ne sais pas exactement quelle était la polysémie de fagus en latin. Mais en tout cas, une chose intéressante, et ça d'ailleurs c'est un problème de sémantique, enfin de diachronie intéressant, il faudrait voir si fouet est une évolution régulière de fagus, ou si précisément il a évolué vers une sonorité assez iconique, précisément parce qu'on cherchait l'iconicité de ce côté-là. Donc ça n'est pas vraiment ça une objection très forte. Deuxième cas, le cas des exclamations. Je continue sur les onomatopées avant de passer aux exclamations. C'est la suite de la citation. Donc il élimine les cas fagus, etc., puisque elles ne sont pas des onomatopées dès l'origine, donc elles ne sont pas de vraies onomatopées. Les onomatopées qu'il appelle authentiques, donc qui sont dès leur naissance en quelque sorte, hein, comme mots des onomatopées, comme glou-glou, tic-tac, bon, tic-tac, c'est sûr, tic-tac imite le bruit d'une horloge. Comment on dit en chinois ou en coréen pour le bruit d'une horloge, tic-tac, l'équivalent, ce serait quoi? D'accord. Et en coréen? D'accord. Et dans... Est-ce que quelqu'un a des exemples dans d'autres langues? En arabe, tic-tac, tic-tac? Oui. Oui. Bon, il y a des, vous êtes d'accord, il y a des variations, hein, mais on reconnaît quand même quelque chose d'un peu commun dans tout ça. Bon. Donc, les onomatopées authentiques, non seulement elles sont peu nombreuses, bon, ça, d'accord, hein, si c'est vrai que les onomatopées à proprement parler sont peu nombreuses. Pardon. Mais, oui. Je pense qu'en coréen, c'est tchèka tchèka. D'accord. non seulement elles sont peu nombreuses, mais leur choix est en quelque mesure arbitraire. Vous voyez, il poursuit son raisonnement jusqu'à dire que l'onomatopée est arbitraire. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont que l'imitation approximative et déjà à demi conventionnelle de certains bruits. Alors là, on a pris l'exemple de tic-tac, où même s'il y a des petites différences, on reconnaît quand même une structure commune. Phonologique, je veux dire. Mais on prend le français wawa, l'allemand pour le chien, hein, wa wa wa. L'allemand vao vao. Oui, ça se prononce vao vao en allemand. Comment on dit en anglais pour le chien? Je sais plus. Pour le bruit du chien.
Non, mais en anglais, personne. Je vois pas là. Waf, waf. Je sais. Ouais. Au, au. En quelle langue? Ah, en berbère. Au, au. Au, au. Ouais. Ouais, mais ils font rien comme les autres, les Coréens. Non, mais bon, d'accord. Donc, voyez que, bon, il y a aussi l'exemple très connu du coq, hein, cocorico, kikeriki, kukilkedou. Bon, il y a des variations, bien sûr, mais c'est quand même, il faut être sourd hein, pour ne pas entendre les ressemblances qui sont beaucoup plus grandes que les différences. Mais certes, il y a des différences. Donc, il y a un jeu, hein, bien sûr. Bon, et comme je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de travaux assez récents qui comparent vraiment les sons produits par les animaux et les sons des onomatopées. Bien. Alors, certaines des onomatopées sont entraînées dans l'évolution phonétique. Pigeon donc perd son apparemment selon Saussure, pigeon perd son caractère onomatopique. Pipio qui évoque le pépiment du pigeon, devient pigeon, donc moins onomatopéique. Mais pourquoi, effectivement, certains mots, il est possible que certains mots perdent leur caractère onomatopéique quand, dans une société, il est peu utile, ou je ne sais pas, et puis que d'autres gagnent un caractère onomatopéique. Voilà, donc preuve évidente qu'elles ont perdu quelque chose de leur caractère premier pour revêtir celle du signe linguistique en général, qui est immotivé. Donc vous voyez que l'objection, enfin le cas des onomatopées est présenté pour être éliminé parce que, d'abord, l'onomatopée, bon, effectivement, c'est un exemple marginal, mais surtout, pour Saussure, ça reste conventionnel. Donc c'est là où, bien sûr, on peut toujours trouver qu'il y a de la convention, mais il y a aussi de la naturalité. Hein. C'est possible qu'il y ait de quelque chose qui soit naturel et pas seulement conventionnel en plus. Bon, ensuite, il y a le cas des exclamations. Bon, là aussi, la variation entre les langues serait un argument pour dire que elles sont également arbitraires, comme I, hein, qui devient AO en allemand. Et puis, beaucoup d'exclamations ont commencé par être des mots à sens déterminé, donc ça, ce sont un peu des phénomènes de grammaticalisation, hein. Diable, mordieu. En résumé, donc, les onomatopées et les exclamations sont d'importance secondaire et leur origine symbolique, donc symbolique au sens de lien entre signifiant et signifié, hein, est en partie contestable. Bien. Oui. Par exemple, oui, effacer. Pour revenir à la question de la motivation et de l'immotivation, en fait, il peut y avoir des phénomènes de remotivation. Par exemple, si on prend l'exemple gla et classicum, au départ, classicum, c'est la trompette, c'est la cloche. Oui. Donc, en fait, d'accord. Un changement qui s'est un changement diachronique, une transformation du son. Mais maintenant, peut-être que les gens, les locuteurs, entendent gla et entendent effectivement le son mélancolique. Donc, il remotive oui. Le mot qui a changé de signification c'est... en oui. Quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un mot onomatopéique. Tout à fait, tout à fait. L'inverse de pipio. Exactement. Et c'est ça tout l'intérêt de la question, c'est-à-dire que là où la problématique de l'onomatopée ou est intéressante, ou de l'iconicité plutôt en général est intéressante, c'est que pourquoi les gens remotivent comme ça hein? Il y a bien quelque chose qui se passe là, d'important. Certes, on a besoin des conventions pour qu'il y ait de la société, mais parfois on a besoin de comprendre quelque chose dans les conventions, d'interpréter quelque chose dans les conventions. Alors, passons maintenant à la chose qui pose beaucoup moins de problèmes que l'arbitraire absolu, hein, et donc c'est encore une fois, c'est difficile de trouver des objections à l'arbitraire absolu,
sauf donc des cas de symbolisme phonétique un peu comme ceux qu'on a déjà vus comme petits exemples. Hein. Là, c'est sûr que l'exemple de type Maluma Takete, ça, évidemment, c'est pas un mot de la langue, hein, donc on peut dire c'est pas un problème, c'est pas un mot de la langue, c'est juste des sons. Mais quand même, ça tente à montrer, et ça, c'est une idée qui est complètement acceptée aujourd'hui, que les sons de la langue produisent des effets autres que simplement, produisent de la signification. Hein. Certains sons produisent de la signification, ou tout au moins sont liés à d'autres sensorialités, mais pas seulement à des sensorialités, également à des émotions, etc. Bon, on l'a vu un petit peu avec les noms de personnages, des noms qui nous évoquent des choses plus rassurantes, d'autres plus inquiétantes, etc., etc. Et ça, on ne l'apprend pas à l'école, on ne l'apprend pas en faisant la langue, c'est naturel, hein, on le reçoit naturellement. Donc il y a bien quelque chose, il y a bien du sens dans les sons, en partie. Hein. Mais bien sûr, une langue n'est jamais entièrement construite là-dessus, elle est construite sur de la convention. Au-delà de la question du rapport direct entre signifiant et signifié, il y a une autre question qui est fondamentale pour l'iconicité, c'est ce que Saussure appelle ici l'arbitraire relatif, enfin ce que le cours de linguistique générale appelle l'arbitraire relatif. Alors, on en a déjà un tout petit peu parlé, j'y reviens, mais dans la formulation princeps, tout au moins du cours de linguistique générale. Donc, le principe fondamental de l'arbitraire du signe n'empêche pas de distinguer dans chaque langue ce qui est radicalement arbitraire, c'est-à-dire immotivé, de ce qui ne l'est que relativement. Une partie seulement des signes est absolument arbitraire. Chez d'autres, intervient un phénomène qui permet de reconnaître des degrés dans l'arbitraire sans le supprimer. Le signe peut être relativement motivé. Bon, alors les exemples donnés par Saussure sont bien connus, je les rappelle. 19 va être du côté du relativement motivé et 20 va être du côté de l'arbitraire absolu. Pourquoi ? Bien, parce que pour comprendre le sens de 20, j'ai besoin d'avoir appris que 20, ça veut dire 2 fois 10. Bon. Mais 19, si je connais le sens de 10, si je connais le sens de 9, et si je sais que 18, 19, 17, enfin, si je connais par exemple 17 ou 18, je sais que ça veut dire 10 plus 7 ou 10 plus 8, je comprends 19, c'est 10 plus 9. Donc là, pourquoi on peut dire que c'est non arbitraire, c'est parce que ce mot 19, si je ne l'ai jamais entendu, je peux en deviner son sens, en recombinant des briques qui elles-mêmes sont arbitraires. 10 est arbitraire, 9 est arbitraire. Bon. Même chose pour cerisier par rapport à frêne ou à chêne. Bon. Cerisier, peut-être si j'apprends le français, je n'ai jamais entendu ce mot, mais j'ai entendu pomme, pommier, poire, poirier. Je connais le mot cerise. Si j'entends pour la première fois le mot cerisier, je pourrais deviner son sens. En fait, là, c'est très clairement une analogie, hein, au sens de l'analogie proportionnelle. Cerisier est à cerise, ce que poirier est à poire. Bon, donc si je connais ce que signifie le rapport poire-poirier, je peux deviner cerise-cerisier. Bien. Et puis, même chose ici, pour vacher et berger, vacher est du côté de l'arbitraire, enfin du relativement motivé, ou de l'arbitraire relatif. D'ailleurs, vous voyez, c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Hein. On parle soit de l'arbitraire relatif, soit de la motivation relative. Donc, c'est la même chose. Donc, le vacher, c'est celui qui garde les vaches. Donc, là, il y a une motivation, certains types de motivation. Le berger, c'est pas celui qui garde les berges, hein, c'est celui qui garde les moutons. Donc là, il n'y a pas de lien entre la sonorité et le sens. Bon. Donc vous comprenez là que dans l'arbitraire relatif, il y a quelque chose comme une prévisibilité du signifié à partir du signifiant. Ça ne marche pas à tous les coups, hein, mais il y a tout de même quelque chose comme un aspect rationnel. Et on revient là à ce que je vous expliquais sur le système de la langue. Hein. Cet aspect du relativement motivé,
c'est ce qui fait que la langue forme un système, non pas au sens du système de valeurs pures, mais au sens de la mécanique de la langue, du mécanisme de la langue, ou au sens de la systématicité. Vous avez peut-être déjà, je ne me souviens plus si je vous ai donné cet exemple que je donne toujours hein, quand je parle de ce sujet, qui me paraît très frappant et qui est finalement suggéré par Saussure lui-même. Prends l'exemple de 19. Bon, alors, le problème dans le cours de linguistique générale, c'est que on nous dit le principe. C'est là où on voit bien qu'il y a quelque chose de pas clair dans cette histoire et que on retrouve cette dualité du système comme système de pure valeur et du système au sens du mécanisme de la langue. On nous dit d'un côté, l'arbitraire est fondamental, l'arbitraire des langues est fondamental. Hein. C'est le premier principe de la linguistique dans le cours de linguistique générale. On a vu que c'est l'idéal du procédé sémiologique, puisqu'il y a des conventions, puisque la langue, les langues sont des instruments de la vie sociale, donc il faut des conventions, et donc il y a de l'arbitraire, l'arbitraire est fondamental. On dit ça d'un côté. Et de l'autre côté, Saussure, dans les passages, si vous vous souvenez que je vous ai cité à une séance précédente sur le mécanisme de la langue et sur la langue comme système, nous dit « tout ce qui relève de la langue comme système doit être abordé du point de vue de la motivation relative ». Donc, en fait, l'arbitraire absolu ne concerne que ce qui n'est pas systématique. Alors, prenons un exemple concret pour essayer de voir quelle est la relation entre l'arbitraire absolu et l'arbitraire relatif. Parce que dans la formulation du cours de linguistique générale, on a l'impression que ça se juxtapose. C'est-à-dire que vous avez, certes, des mots qui relèvent de l'arbitraire relatif, comme 19, mais qui sont composés d'éléments qui relèvent de l'arbitraire absolu. D'où cette formule, hein, l'arbitraire relatif est un phénomène donc qui permet de reconnaître des degrés dans l'arbitraire sans le supprimer. Donc ça voudrait dire on a de l'arbitraire relatif et de l'arbitraire absolu. Mais comment ça s'articule les deux? Bon, alors là l'exemple des nombres et des noms de nombres est très intéressant. 19, arbitraire relatif. Quand vous prenez, considérez le système de la numération basique, hein, pas, en éliminant les une douzaine de, etc. Les entiers, mettons les entiers naturels. Hein, prenez-le comme un système, un sous-système de signes, hein, qui est composé d'une infinité de signes. D'accord, hein, cette infinité de signes, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 5 648, 5 649, etc., etc., jusqu'à l'infini. Bon. Donc on a une infinité de signes. Cette infinité de signes, je la fabrique. Dans cette infinité de signes, combien j'ai de signes qui relèvent de l'arbitraire absolu et combien j'ai de signes qui relèvent de l'arbitraire relatif? C'est facile de répondre à la première question. Combien j'ai de signes qui relèvent de l'arbitraire absolu? Il y a 1, 2, il y a une vingtaine de signes à peu près. En français, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Après 17, c'est de l'arbitraire relatif. Donc après, 17, 20, 30, 40, 50, 60. À 70, c'est arbitraire relatif. Et puis après, il y a 1000, millions, milliards. Donc vous voyez, il faut une trentaine de mots qui sont arbitraires absolus pour fabriquer une infinité de signes. Il faut 30 signes qui relèvent de l'arbitraire absolu pour fabriquer une infinité, un système de signes qui comporte une infinité de signes. Donc si vous mesurez le degré d'arbitrarité, si j'ose dire, d'un système de signes, en faisant le rapport entre le nombre de signes qui relèvent de l'arbitraire absolu et le nombre de signes qui relèvent de l'arbitraire relatif. Hein, en disant que bon, ça va mesurer la systématicité d'un système de signes. Plus il y a... il vaudrait mieux d'ailleurs mettre... Plus
le système est systématique, si j'ose dire, plus il y aura un grand nombre de mots, de signes qui relèvent de l'arbitraire relatif et un petit nombre de signes qui relèvent de l'arbitraire absolu. D'accord? Donc si on met une proportion avec l'inverse de ce que j'ai dit, c'est-à-dire avec un rapport entre le nombre de signes qui relèvent de l'arbitraire relatif sur le nombre de signes qui relèvent de l'arbitraire absolu, plus le nombre est élevé, plus je vais avoir une motivation élevée en termes de motivation relative. Et inversement, si j'ai un grand nombre de signes qui relèvent de l'arbitraire absolu et un petit nombre de signes qui relèvent de l'arbitraire relatif, je vais avoir un rapport très faible. Hein, je vais, si j'ai, je sais pas moi, 5 signes qui relèvent de l'arbitraire relatif et 100 qui relèvent de l'arbitraire absolu, ben je vais avoir un système de signes très irrégulier, très peu systématique. D'accord? Bon, alors on voit bien que le système des nombres, si je fais cette mesure-là, il est extrêmement... L'arbitraire absolu est quasiment nul. Hein. Je veux dire, c'est 30 signes sur une infinité. Donc, c'est rien, autrement dit. Hein. Et vous comprenez bien que c'est extrêmement important dans les langues, cette systématicité. Aucune langue ne... Enfin, je veux dire, je connais pas le système numéral du coréen, du chinois, etc., mais il est bien connu qu'à peu près toutes les langues possèdent un nombre limité de nombres et elles font des combinaisons pour obtenir des nombres plus grands. Aucune langue n'a un mot pour chaque nombre. Il faudrait... Hein, le système parfaitement arbitraire, ce serait qu'une langue a un mot différent pour chaque nombre. Bon, on voit bien, c'est pas très économique. Hein. Donc, la systématicité, elle est très grande dans certains sous-systèmes. Elle va être grande aussi, par exemple, dans les systèmes de conjugaison. Mais dans le lexique en général, elle est plus faible. Bon. Donc, ce principe de l'arbitraire du signe a une grande importance quand même, à la fois en général et même dans le cours de linguistique générale. Puisque tout ce qui relève du système, de la systématique, est étudié et relève de l'arbitraire relatif. L'arbitraire absolu, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, une fois qu'on l'a constaté, c'est un principe, une sorte de principe théorique dont on a besoin, mais dont on ne peut rien faire en tant que linguiste. Qu'est-ce que vous fabriquez en disant qu'il n'y a pas de lien entre deux choses? Ce principe, il vous permet de penser quoi? Il vous permet, certes, d'un point de vue purement théorique ou épistémologique, de penser la dimension conventionnelle des langues, mais il ne vous permet pas de faire de la linguistique, d'étudier des choses. Parce que dès qu'on étudie des choses, ben on étudie la systématicité. On ne fait que ça en linguistique, de construire des paradigmes de régularité. Dès qu'il y a un paradigme de régularité, il y a de la motivation relative. Donc, en linguistique, on ne fait qu'étudier la motivation relative. On ne fait qu'étudier ce qui relève de la motivation relative. Donc, voyez le paradoxe. L'arbitraire absolu est présenté comme étant le premier principe de la linguistique générale, et le linguiste, lui, il ne travaille que sur l'arbitraire relatif, jamais sur l'arbitraire absolu. Donc, c'est la différence entre un principe épistémologique et puis un principe de travail. En travaillant en linguistique, on ne peut rien en faire. Alors, par ailleurs, oui, pardon. En fait, il n'y a pas qu'un seul principe. Le principe d'arbitraire, c'est gentil. Mais il y a aussi un autre principe, qui est celui du principe d'économie, que, comme vous disiez, c'est impossible de mémoriser. Exactement. Exactement. On est obligé, à ce moment-là, par construction, par combinaison de ces deux principes, de faire une espèce de code mal taillé dans la langue. Oui, alors, le principe d'économie, si vous le prenez comme cela, c'est un principe fonctionnaliste, hein, un principe de fonctionnaliste qu'on trouve chez Martinet, voilà, et même chez les fonctionnalistes américains contemporains comme Hyman, Givon, etc. Bien, seulement on peut aussi considérer que c'est peut-être plus fondamental que ça. C'est une chose de dire que c'est un principe de fonctionnalisme qui sert à juste faire de l'économie dans les systèmes de signes, ça joue un rôle, c'est sûr, mais c'est une autre chose que de dire ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire de dire que l'être humain cherche à mettre du sens, hein, partout, même où il ne faudrait pas.
la limite. Justement, en fait, en linguistique, mais en langue quotidienne, en langage quotidien, on fait que ça. Oui. Le sens contre l'arbitraire des signes. C'est ça pour dire si on est contre. Non, non, oui, bien sûr. Le sens, quand j'utilise n'importe quel mot dans mon langage quotidien, encore plus quand j'écris un discours beaucoup plus cité ou spécialisé, alors je n'utilise pas toujours le mot table ou berger ou table ou fenêtre, parce que le sens table ou fenêtre. Oui, oui, bien sûr, alors. Oui. La poésie, tout ça, et par conséquent, quand je regarde le dictionnaire, l'article bon, en français, tout ça, combien de pages, quelquefois, je trouve dans un dictionnaire, pour le mot ça. Oui. Oui. L'arbitraire des signes, c'est bien, c'est constaté, c'est... en même temps, il y a quelque chose qui flotte. Oui, oui, oui. C'est un très bon exemple ce que vous donnez. C'est, effectivement, quand on prend en compte la polysémie, vous dites, je prends le mot table, vous dites table. Ben, oui, d'accord. Entre la suite de son table et l'objet table, il n'y a pas de lien. Mais qu'est-ce qu'on a fait dans les langues ? Ben, on a fabriqué les tables de multiplication, les tables... la table des matières, enfin bref, on a, à partir de cette chose un peu arbitraire, on a fabriqué d'autres significations qui sont motivées à partir de cette signification arbitraire. Bon, il y a plein d'autres exemples qui montrent bien ça. Je me souviens d'un exemple assez amusant de Françoise L'Héritier dans un petit livre sur le langage qu'elle avait écrit. Elle disait quand elle était petite, elle voyait que les pantalons, c'était long. Bon, alors, évidemment, quand elle l'a écrit, c'est un texte assez ancien, elle trouvait ça rigolo de dire ça, parce qu'effectivement... pantalon, dans son histoire, le mot, ça vient d'un mot italien, d'un nom propre italien, pantalone, et ça ne veut pas du tout dire pantalon. Mais, en fait, on a fabriqué en français le mot pantacourt, hein, qui est une sorte de short un peu plus long qu'un short et un peu plus court qu'un pantalon, qui d'ailleurs est complètement démodé, paraît-il, aujourd'hui, mais bon. Pantacourt, bah, c'est bien une sorte de réinterprétation, hein, c'est ce qu'on appelle l'étymologie populaire. Les enfants font ça aussi. Beaucoup d'enfants, quand ils entendent pour les premières fois le mot toile d'araignée, une toile d'araignée, qu'est-ce qu'ils disent les enfants ? Ils comprennent étoile d'araignée. Parce que toile, c'est un mot qu'ils ne connaissent pas, qui est trop abstrait. Ils connaissent étoile. Donc tout de suite, si vous voulez, votre système cognitif fait un lien entre ce que vous connaissez déjà et ce qui est nouveau. Et je voulais bien expliquer ce mécanisme selon lequel on met en relation quelque chose qu'on connaît déjà connu avec quelque chose de nouveau, c'est l'analogie, hein, fondamentalement. Donc, c'est très difficile d'accepter la gratuité de la signification. Hein. Je veux dire, on l'a accepté parce que une bonne partie de notre vocabulaire est hérité sans qu'on se pose la moindre question, bien sûr. Hein. Mais, dès qu'on le peut, et puis bon, c'est évident dans la poésie, on lise Éponge, etc., bon... voilà, il y a quelque chose de profondément humain dans le fait de remotiver. Hein. Mais d'humain au sens individuel. En revanche, effectivement, pour qu'il y ait de la communauté, pour qu'il y ait une langue au sens d'une au sens d'une communauté linguistique, ben, il faut aussi de la convention. Hein. Oui, je vous en prie. Je veux juste faire deux petites remarques concernant l'arbitraire relatif. En fait, c'est vrai que moi je trouve que cette notion est très importante. Surtout dans l'apprentissage des langues. Par exemple, quand on peut apprendre une langue en 3 mois, 6 mois, en faisant le lien. On n'est pas obligé d'apprendre tous les nombres, tous les mots, mais tous les verbes ou tous les adjectifs, mais faire les liens. Il suffit juste de comprendre que le verbe manger, et on peut sortir plusieurs mots qui... Bien sûr. Mais après, il y a juste la petite difficulté parfois de tomber dans le piège, par exemple, comme table. Il s'agit de l'objet table, mais table des matières, c'est un peu loin. Ou table de multiplication. Il peut y avoir des mots comme ça quand on croit qu'il s'agit d'un objet ou d'une représentation, mais après, ça peut être Une autre signification. Une autre signification. Oui. Oui, non, mais là, après, si vous voulez, c'est une autre forme de l'apprentissage qui va être de maîtriser un peu les opérateurs de polysémie, c'est-à-dire éventuellement la métaphore, la métonymie, etc., etc.
Mais c'est vrai, je pense qu'en effet, cette notion d'arbitraire relatif joue un rôle primordial dans l'apprentissage, non seulement des langues étrangères, mais aussi de la langue maternelle, hein. Ce que les enfants à l'école, en tout cas en France, apprennent des tables de conjugaison, apprennent ces régularités, hein, les systématisent pour pouvoir fabriquer des mots nouveaux. Alors évidemment, le problème, c'est que parfois, ça conduit à fabriquer des mots qui n'existent pas dans la norme, hein. Effectivement, je ne sais pas moi, si vous prenez le suffixe âge, hein, et vous fabriquez des noms à partir de verbes, balayer, balayage, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, marchander, marchandage, etc. Bon, donc ça marche avec un certain nombre de verbes, mais pas avec tous, hein. Vous ne pouvez pas dire, je sais pas moi, dormir, le dormage. Hein, bon, donc, mais un enfant pourrait produire ça, hein, à la limite. Donc, il y a une productivité du système, il y a des possibilités dans le système, mais il y a une autre dimension dans une langue, et où là on retrouve la collectivité, c'est la norme. C'est-à-dire que la systématicité des systèmes linguistiques, en général, elle est sous-exploitée en raison d'une norme qui bloque et qui empêche la production d'un certain nombre de signes. Mais momentanément, oui? M'étonne dans la conception, j'ai l'impression de placer l'analogie du coup plus dans la pratique individuelle de la langue et l'arbitraire dans la convention. Mais moi je viens de la sociologie et l'analogie chez Bourdieu, c'est central, justement, ça va évident, c'est le mécanisme fondamental de l'habitus. Ah oui. Ah bah écoutez, ça c'est vraiment une question que je ne connais pas. Vous voudriez pas nous en parler de manière, hein, faire un petit travail là-dessus un jour, faire un petit exposé? Parce que alors là, ce serait très enrichissant, hein. Bon, c'est vrai que je vous l'ai déjà dit, hein, la conception que j'essaie de défendre ici de la linguistique dans ce séminaire, c'est une conception très pluridisciplinaire. Donc voilà, on s'intéresse à des problèmes philosophiques, psychologiques, etc. Et sociologiques, pourquoi pas, hein. Moi, ce n'est pas un domaine que je connais bien, donc je serais ravi d'en savoir un petit peu plus sur cette question. Donc selon vous, parler d'analogie en sociologie, ce n'est pas forcément parler de quelque chose d'individuel. Voilà, je suis un peu fatigué, j'arriverai pas à dire très bien ce qui se passe. Non, mais en quelques mots, puis En quelques mots, en fait, c'est que c'est exactement le même principe que de l'économie au sens de la linguistique fonctionnaliste. C'est que pour Bourdieu, il a formalisé l'habitus à partir d'une culture particulière, enfin d'une ethnologie d'Acadie. Et en fait, ce qu'il montre, c'est que les pratiques, elles sont. En fait, avec un tout petit nombre de principes et par analogie avec ces principes-là, on peut générer toutes les pratiques des individus. Et c'est ça qui fait que chez Bourdieu, avec un petit nombre de principes et l'analogie, on a une correspondance, un ajustement entre les pratiques subjectives et les structures objectives de la société. C'est grâce à D'accord. l'analogie qu'il y a cet ajustement. Ok. Très bien, très bien. Non, mais c'est extrêmement intéressant. Donc, écoutez, hein, pensez-y et puis on essaie. Est-ce que vous pourriez avant les vacances de Noël? Ou c'est trop juste? Ouais, ça va. Hein, bon, on prévoit une séance où vous nous en parlerez plus en détail. Ce sera extrêmement enrichissant. Merci. Alors, donc, je continue en vous donnant deux. Quand le cours de linguistique générale a paru, il y a eu tout de suite beaucoup d'objections, hein, sur le principe de l'arbitraire. Aujourd'hui, ça nous paraît une évidence, hein, le signe arbitraire, etc., bien sûr, bien sûr. Mais en réalité, à l'époque, c'était quand même assez curieux. Et alors, il y a eu un certain nombre d'objections qui sont aujourd'hui bien connues. Il y a d'abord un certain nombre d'objections qui reposent sur la distinction entre ce que pensait vraiment Saussure et la formulation du cours de linguistique générale. Si vous voulez, la formulation du cours de linguistique générale durcit vraiment la question de l'arbitraire, alors que chez Saussure, qui s'intéressait par exemple à la motivation relative, enfin je voulais dire à l'étymologie populaire,
Saussure n'avait rien d'un arbitriste idéologique, hein, je veux dire, absolument rien. Donc il faut clarifier un petit peu la relation entre les deux. Et puis par ailleurs, il y a cette confusion que j'ai déjà signalée, que j'ai signalée en vous disant, bœuf ou sœur, qui peut se dire, qui a le même signifié quand on change de langue, mais qui n'a pas le même signifiant. Hein. Bon, est-ce qu'on a le même signifié? Est-ce qu'il n'y a pas une confusion là entre signifié et référent? C'est ce qu'ont parfaitement vu d'Amourette et Pichon et ensuite Bainvilliste. Donc je vous dis quelques mots sur ces deux points. Alors, sur le premier point, je prends un article de Simon Bouquet, qui est quelqu'un qui a travaillé sur les manuscrits de Saussure et en particulier qui a édité ce qu'on appelle les écrits de linguistique générale, qui sont donc des textes de la main de Saussure, là, hein, qui donc, c'est ça qu'il faut lire, hein, aujourd'hui quand on veut travailler sur un peu, si on s'intéresse à la pensée saussurienne, on ne peut pas du tout se contenter du cours de linguistique générale, il faut voir les écrits de Saussure. Alors voilà ce qu'il dit au sujet de l'arbitraire. Première constatation, dans tous les passages où la mention de la question de l'arbitraire par Bali et Séchevet, donc Bali et Séchevet, ce sont les autres, ce sont eux qui ont écrit le cours de linguistique générale, hein, qui étaient des élèves de Saussure, et l'ont écrit, enfin, ouais, étaient des élèves, pas exactement ça, mais peu importe. Bon, donc ce sont les rédacteurs, disons, du cours de linguistique générale. Donc, dans tous les passages où la mention de l'arbitraire correspond effectivement à des énoncés de Saussure, donc hein, on a fait le lien entre les sources qu'ont utilisées Bali et Séchevet, et les écrits de Saussure. Donc 9 passages sur les 16. Les éditeurs ne semblent pas avoir été attentifs à l'ambiguïté du terme de signe et s'être laissés piéger par leur parti pris terminologique. En effet, dans ces 9 cas, leur texte maintient le mot signe, qui dans leur terminologie renvoie à l'entité globale, c'est-à-dire hein, le signe, c'est l'unité du signifié et du signifiant. Hein, c'est ça dans le CLG. Alors que dans le manuscrit, dans le manuscrit source, l'occurrence du terme signe renvoie clairement à signifiant. Donc, déjà, c'est pas la même chose. Hein. Du coup, leur triade rétrospective signe, signifiant, signifié a ici pour effet pervers de distordre la pensée saussurienne. Le CLG donnant l'impression que Saussure envisage un concept global d'arbitraire, et notamment un arbitraire symétrique du signifiant et du signifié, alors qu'au contraire, dans tous ces passages, le linguiste genevois se place strictement du point de vue de l'image acoustique pour affirmer que celle-ci n'a aucun lien avec le concept qu'elle représente. Donc là, il y a un décalage dû au fait que les éditeurs ont pris signe dans un sens différent. En bref, selon la leçon de ces passages, ce que Bali et Séchevet appellent « arbitraire du signe » serait plus judicieusement nommé, dans la terminologie qu'ils ont choisi d'adopter, l'arbitraire du signifiant. Déjà, c'est que le signifiant qui est arbitraire. Apparemment, ça ne change pas grand-chose, mais admettons. Deuxième constatation. Dans tous les autres passages du CLG, dans les 7 cas restants, les énoncés sur l'arbitraire ont été créés de toutes pièces par Bali et Séchevet. Ceux-ci parlent à nouveau d'arbitraire du signe, là où cette fois, aucune proposition sur l'arbitraire ne figure dans les textes originaux. Cette deuxième catégorie d'énoncés ne reflète pas la présentation saussurienne asymétrique d'un arbitraire du signifiant, mais renforce au contraire un concept indifférencié d'arbitraire auquel on trouve duquel on ne trouve aucune trace dans les manuscrits. Donc, pour Bouquet, hein, il ressort que le concept d'arbitraire, tel qu'il est présenté dans le texte de 1916, donc dans le CLG, peut être conçu, tenu pour un concept fantôme. Hein, carrément, donc c'est quasiment quelque chose qui n'était pas chez Saussure, mais qui est une sorte de concept apparu par malentendu. Hein. Bon, donc, mais là, si vous voulez, c'est un débat assez complexe. Je vous donne juste un aspect de la question avec ces deux brefs extraits. Mais c'est tout un problème de savoir précisément, de connaître précisément la pensée de Saussure sur telle ou telle question. Il y a toute une génération aujourd'hui de saussuriens. De chercheurs qui travaillent sur Saussure et qui nous éclaire un peu sur ces points. Alors maintenant, en admettant les lecteurs aient reçu la lecture, aient reçu les informations données par Bali et Séchevet, et compris que Saussure parlait d'arbitraire du signe, voici ce que D'Amourette et Pichon
Donc Damouret et Pichon, deux grands linguistes, hein, je ne vais pas développer, mais ce sont des linguistes importants de l'époque. Dans ce texte, vous voyez, du début du XXe siècle, ils disent la chose suivante: la faute que nous paraît contenir ce raisonnement, donc c'est le raisonnement où Saussure dit que le bœuf a le même signifiant, a un même signifié et plusieurs signifiants selon le pays dans lequel on se trouve, et de croire à l'équipollence, ou l'équivalence si vous voulez, absolue de deux vocables appartenant à deux langues différentes, comme ox et bœuf. Jamais, alors bon, là c'est formulé d'une manière extrêmement, avec leur terminologie à eux, qui est un peu particulière, mais en gros ça signifie, jamais l'extension de deux sémièmes, c'est-à-dire deux signifiés, hein, dans deux idiomes différents, n'est exactement la même. Jamais deux vocables ne se recouvrent absolument quant à leur domaine sémantique. Donc en fait, quand vous passez d'une langue à l'autre, c'est très rare. Bon, là, ils ne disent jamais, admettons, mais c'est très rare que la signification reste la même. Hein. L'exemple classique, c'est mouton en français, sheep en anglais. Bon, ces deux mots n'ont pas du tout le même signifié. Pourquoi ? Ben, parce que mouton en français peut se dire du mouton animal et de la viande de mouton. Tandis que sheep ne peut se dire que de l'animal. Pour parler de la viande de mouton, on dit mutton. Hein. Donc, les signifiés de sheep et de mouton sont complètement différents, puisque l'extension de l'un n'est pas du tout la même que l'autre. En revanche, si un Français et un Anglais voient un mouton dans un pré, le Français va dire mouton, l'Anglais va dire sheep, il y aura deux signifiants, enfin deux signes différents, mais pour un même signe, pour un même référent. C'est le référent qui est le même. Ce n'est pas le signifié. D'accord ? Donc, c'est pour cette raison que, en réalité, d'après Bouquet, c'est ce que voulait dire Saussure, qu'il y a un arbitraire du signifiant par rapport au référent ou au concept. Bon. Alors, ça, c'est quand même une objection importante, parce qu'on ne peut plus se fonder sur la différence entre les langues pour dire que la différence entre les langues prouve l'arbitraire, tout au moins si on parle de l'arbitraire entre signifiant et signifié. Puisque, certes, le signifiant bouge, mais le signifié a bougé aussi. D'accord ? En revanche, oui, il y a un arbitraire sans doute entre le signifiant et le référent. Oui ? Non, parlant de ça, ça m'a très intéressant certainement. Mais dans l'ouvrage de Bailly, linguistique française et linguistique générale française, ça, et le deuxième sur la stylistique traitée, et puis après, l'homme et l'anglais dans la vie de l'homme. Oui, chez Bailly. J'ai remarqué, en fait, même si c'est ça, c'est pas le sujet certainement. Mais il fait que développer ce que vous dites exactement, enfin pour moi, développer le sens en quoi l'arbitraire, en expliquant Saussure, lui, comme s'il nous disait en quoi l'arbitraire nous signifie par rapport à un référent. Surtout quand il nous dit que la situation fait partie du sens, du signifié d'une phrase. C'est-à-dire, visiblement, quand c'est pas pour Damouret et Pichon, ou pardon, c'est évidemment là, évidemment, de Simon Bouquet, c'est ça. Peut-être, c'est ça en fait qu'on n'a pas, qu'ils n'ont pas compris, ou bien qu'il y a une sorte de malentendu, ou bien de confusion dans le système arbitraire. Mais c'est très clair dans les œuvres de Bailly, en fait. Oui. Oui, bien sûr, hein, dans son œuvre lui-même, Oui, bien sûr, il y a l'introduction de la notion de l'énonciation. Puis au fond, la stylistique elle-même, si le signe était entièrement arbitraire, parfaitement arbitraire de A à Z, il n'y aurait pas de stylistique. Voilà. Hein. N'importe quoi. Il faut aussi avoir en tête cette idée. Si vous admettez une sorte de généralisation absolue du principe de l'arbitraire, hein, donc c'est complètement arbitraire
telle chose, de la nommer de telle façon, enfin d'utiliser tel son pour. Bah, on pourrait remplacer, je sais pas, moi, on prendrait une œuvre littéraire, on remplacerait tous les mots par des synonymes, etc. Puis ça voudrait dire exactement la même chose. Bah non, enfin, on sait bien que ça marche pas comme ça. Hein. C'est bien qu'il y a une. Mais donc, ce qui doit être pris, non pas au sens simplement, évidemment, du symbolisme phonétique ou de la non-arbitrarité, disons, entre signifiant et signifié, mais au sens aussi comment dire, de l'arbitraire relatif. Quoi. Bon. Oui, je vous en prie. Je veux juste dire que, au final, quand on prend par exemple l'exemple du mouton et autre, le signifié n'est jamais le même parce que c'est une représentation mentale de la chose, de l'objet. Oui, alors, c'est-à-dire que le signifié n'est jamais le même puisque, en réalité, dans cette perspective, en plus, dans la perspective sociologique elle-même, les signifiés se définissent, dans le cadre de la théorie de la valeur, par opposition les uns aux autres. Donc, d'une certaine façon, il faudrait penser, pour reprendre cet exemple entre mutton sheep d'un côté en anglais et puis mouton de l'autre en français, que le concept de mouton n'est pas le même que le concept de sheep. Hein. C'est vrai que les signifiés et les concepts. Oui, là, c'est un peu. Enfin, l'exemple, je pense, n'est pas assez mal choisi parce que mouton sheep, c'est en fait une sous-catégorie parce qu'il y a un conflit. La confluence de deux mots. Enfin, bien sûr, et puis un mot français. Oui, mais n'empêche que l'espace sémantique s'est divisé et que. Et oui, que... Dans ce cas-là, ça touche autre chose. Alors là, on parle du référent. Le référent dans une langue est beaucoup plus vaste en français qu'il ne l'est en anglais pour le même référent. Ah ben non, le référent, il... L'anglais, pour ce qui concerne, si je parle du concept mouton, ouais. Le français considère que le concept mouton renvoie non seulement à l'animal, mais aussi renvoie à sa viande. Mais s'il peut renvoyer ainsi, c'est en vertu d'un certain signifié. La possibilité de renvoi... Le renvoi effectif, que j'utilise le mot mouton pour parler de tel animal, ça, effectivement, je parle du référent. Mais la possibilité, le fait que je puisse utiliser le même mot mouton pour parler de la viande ou de l'animal, c'est une propriété du signifié. Le fait que un anglais sheep va dire « je ne vais pas manger du sheep », hein, c'est une propriété du signifié. Non ? Je ne sais pas si... Vous considérez, enfin, si le français ne fait pas la différence, ouais, entre l'animal mort et sa viande, en quoi, pourquoi il y aurait une différence de référent ? Ben, il y a une différence de référent parce que... C'est... Non, non, mais parce que dans la réalité, si vous voulez, la différence, là, en l'occurrence, entre le français et l'anglais, elle est que le français utilise un moyen syntaxique pour faire cette différence et l'anglais un moyen lexical. Le français utilise un moyen syntaxique, il utilise un partitif. Dit du mouton, du bœuf, etc. C'est un moyen syntaxique. Donc, ça veut dire qu'il agit syntaxiquement sur un lexème, un mot lexical, qui a son signifié global. Hein, son signifié global, c'est pas son signifié global. Son signifié de départ, c'est effectivement l'animal, mais puisqu'il a... Oui, non, mais je veux dire le sens animal, hein. Le sens, je sais pas, si c'est mouton, on va pouvoir donner un certain nombre de propriétés, hein, qui vont caractériser tout mouton possible. Et donc, cette potentialité d'emploi, tu vois, regardez, est-ce que je peux vous le dire peut-être comme ça, si vous regardez la définition de chacun de ces mots en français ou en anglais dans le dictionnaire, ben... Vous ne parlez pas du référent, là, vous parlez bien dans la définition elle-même. La différence de définition, c'est une différence de signifié, qui ensuite entraîne des différences de référent. Mais c'est d'abord une différence de signifié. Alors, pourquoi dans cette langue-là, si vous prenez le mot chicken, ouais, ça désigne l'animal vivant et l'animal mort ? Oui, c'est pas une généralité, hein, c'est juste une propriété particulière de cette opposition. C'est effectivement une sorte de hasard que... qu'on ait deux mots pour mutton et sheep. Ce n'est pas une propriété du signifié. Si c'était une propriété du signifié,
ça serait uniforme dans la langue. Ah non, 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 là je parle d'une propriété de ces du signifié de ces mots particuliers, là. Du signifié du mot ship. Hein. C'est une propriété du signifié du mot ship, c'est-à-dire c'est son champ d'application, c'est son extension, ce que Milner appelle son sens virtuel. Hein. Sens virtuel, c'est-à-dire à quoi il peut référer. Bon, enfin, on en rediscutera peut-être. Donc, je conclus simplement sur ces points, redisant que un peu le genre d'objection qu'il peut y avoir sur l'arbitraire saussurien, donc. Les objections liées à la différence entre ce qui est dit dans le cours de linguistique générale et la pensée de Saussure, à cette éventuelle confusion entre signifié et référent. Mais bon, l'idée générale, indépendamment de cet exemple particulier de Sheep et Mutton, c'est que deux mots, je sais pas, même du pain en français et Brot en allemand, c'est pas la même chose, en fait. Hein. Bon, y a, même si on traduit par pain, par exemple, hein, on n'a pas le même signifié. Et c'est ce que disait Damourette et Pichon, quand on prend des mots, on n'a jamais le même signifié. Et puis donc, le rôle crucial de l'arbitraire relatif, hein, j'ai donné l'exemple des systèmes numériques, donc il y a un lien fondamental entre l'arbitraire relatif et la systématicité. Donc on l'a vu, l'arbitraire relatif est directement lié à la notion d'analogie proportionnelle, hein, et cela est pris en charge du point de vue de l'iconicité par un des deux grands types d'iconicité sur lesquels je reviendrai la prochaine fois, l'iconicité dite diagrammatique, hein, par opposition à l'iconicité d'image qui, elle, renvoie plus à la négation de l'arbitraire vraiment absolu au sens d'un lien directement entre les sons et les significations. Voilà, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre attention. Et la semaine prochaine, est-ce qu'il y a des exposés la semaine prochaine? Je ne me souviens plus, j'ai pas le cas. Ah oui, un au moins. Et vous m'avez écrit pour me dire... vous pouvez me rappeler sur quoi il porte? Ah oui, je vous ai envoyé le texte tout à l'heure, c'est vrai. Très bien. Donc, on a au moins un exposé, peut-être deux, je ne me souviens plus. Ou peut-être. Ah voilà, sur... sur le Guarani? Eh oui, c'est sur le Guarani, donc on aura deux exposés la semaine prochaine. D'accord. Merci.